Sophie Davant quitte son émission, ce qui a ému ses fans. À partir de la rentrée, Julie Vignali la remplacera dans Affaires conclues. 26 janvier 2024, Sophie Davant expliquera franchement et directement les raisons de son départ dans son magazine S. C'est le moment des changements chez France Télévisions. L'animatrice Sophie Davant, grande fidèle du Téléthon et de l'émission Affaires conclues depuis 6 ans, s'apprête à quitter le groupe. Dans Affaires conclues, elle cherche des objets insolites ou des trésors cachés dans des collections qu'elle présente ensuite à des experts pour une éventuelle vente aux enchères. Mais la prochaine saison se fera sans elle. Elle sera remplacée par Julie Vignali, co-animatrice de Télématin, qui se prépare à changer de décor pour travailler avec des commissaires-priseurs et des acheteurs, qui peuvent parfois être difficiles. Caroline Margeridon, qui a formé un duo solide avec Sophie Davant au fil des années, est perplexe face au départ de l'animatrice. Nous verrons comment se passera la collaboration avec Julie Vignali à la rentrée. Sophie Davant explique son départ d'Affaires conclues. Sophie Davant a récemment pris la décision de quitter son poste d'animatrice d'Affaires conclues pour se consacrer à une nouvelle opportunité, animer une émission de radio sur Europe 1. Dans une interview exclusive pour le magazine S par Sophie Davant, elle a expliqué que les heures de diffusion de cette nouvelle émission radio coïncidaient exactement avec celles d'Affaires conclues, ce qui a rendu la situation difficile pour elle. En effet, Sophie Davant a avoué qu'elle ne pouvait pas assumer les deux rôles en même temps, sans que cela n'engendre des coûts supplémentaires de production. Ce qui aurait été difficile à gérer dans la conjoncture économique actuelle. La direction de France Télévisions a confirmé qu'il était impossible pour elle de maintenir les deux postes en même temps, alors Sophie Davant a dû faire un choix difficile et a finalement opté pour l'émission de radio. Toutefois, elle a souligné que ce n'était pas une décision facile à prendre, car elle avait passé de nombreux moments agréables sur le plateau d'Affaires conclues. Néanmoins, elle a décidé de poursuivre sa carrière en radio, car cela représentait une nouvelle opportunité pour elle de se développer professionnellement. Elle a également ajouté qu'elle continuerait de suivre les aventures d'Affaires conclues de loin et qu'elle était impatiente de voir l'évolution de l'émission dans les années à venir.